Voici le discours de ma vie en la privauté paternelle. Ne pouvant rougir envers vous, ni de ma gloire, ni de mes fautes, je vous compte l'un et l'autre comme si je vous entretenais encore sur mes genoux. C'est à ses enfants que d'Aubigné dédie l'histoire secrète de sa vie. Théodore Agrippa d'Aubigné, fils de Jean d'Aubigné, naquit en l'hôtel Saint-Maury près de Pons l'an 1551, le 8e jour de février, sa mère morte en accouchant. Le père d'Agrippa d'Aubigné était un huguenot farouche. Or, déjà, les persécutions commençaient contre les protestants. À 8 ans et demi, le père mena son fils à Paris et en passant par Amboise, un jour de foire, il vit les têtes de ses compagnons encore reconnaissables sur un bout de potence et fut tellement ému qu'entre 7 ou 8 000 personnes, il s'écria « Ils ont décapité la France, les bourreaux !» Puis il mit la main sur la tête de son fils en disant « Mon enfant, il ne faut pas que ta tête soit épargnée après la mienne pour venger ces chefs pleins d'honneur. Si tu t'y épargnes, tu auras ma malédiction. » D'Aubigné n'oubliera jamais ce spectacle, ni ce serment. En cette époque troublée, il connaît tout jeune garçon une vie d'insécurité. En 1562, il fuit Paris avec d'autres écoliers réformés, tombe entre les mains de soldats royaux, échappe à la mort en soudoyant un moine. À l'âge insouciant des jeux, il est dans Orléans assiégé. Il marche dans le sang, il voit mourir sous ses yeux des milliers de malheureux. Son propre père est tué par les catholiques. Il n'a que 11 ans. Déjà, sa haine et sa résolution sont inébranlables. Il étudie auprès de Théodore de Bèze, lui-même disciple et fervent de Luther et Calvin, mais il ne songe qu'à se battre. Son tuteur doit le tenir prisonnier. Il s'évade pourtant par la fenêtre, à l'aide de ses draps, et c'est en chemise, les pieds nus, qu'il va rejoindre les troupes protestantes. À leur tête, le jeune Henri de Navarre. Il trouvera son équipement de soldat sur le champ de bataille en dépouillant un cadavre. Page, soldat, homme d'armes, j'ai toujours porté les armes jusqu'à la 7e paix. 1570. Paix provisoire. À 18 ans, le voici à la retraite. Il se retire en Blaisois dans son domaine des Landes Guinemer. Il ne tarde pas à tomber amoureux de Diane Salviati, qui habite le château voisin de Talcy. Le jeune homme, qui n'a connu que les embuscades, les chevauchées, les assauts à l'arme blanche, découvre l'amour avec tout autant de violence. Pardonne-moi, chère maîtresse, si mes vers sentent la détresse, le soldat, la peine et l'émoi. Car depuis qu'en aimant je souffre, il faut qu'il sente comme moi la poudre, la mèche et le soufre. Diane est la nièce de la Cassandre aimée par Ronsard quelques années plus tôt. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe. Des vers immortels chantent dans le cœur du jeune Agrippa. À son tour, il est tenté par la poésie. Je sers l'aube qui naît, toi le soir mutiné, écrit-il au grand poète pour lequel il ne cache pas son admiration. Mais la belle est cruelle et froide, la souffrance du jeune homme est à la mesure de sa passion. Amour qui n'est qu'amour, qui vit sans espérance, de soi-même en soi par soi-même agité, qui naquit éternel, vif à l'éternité, qui surpasse en aimant l'âme et la connaissance que cet amour est près de la divinité. Dans la France déchirée, le sang recommence à couler. D'Aubigné échappe par hasard au massacre de la Saint-Barthélemy. Les atroces réalités qu'il côtoie vont marquer d'un accent personnel sa poésie, jusqu'alors influencée par la Pléiade. À son désespoir amoureux se mêlent des pensées funèbres. Tout cela qui sent l'homme à mourir me convie. En ce qui est hideux,
je cherche mon confort. Fuyez de moi plaisir, heur, espérance et vie, venez maux et malheurs et désespoir et mort. Je cherche les déserts, les roches égarées, les forêts sans chemin, les chênes périssants. Mais je hais les forêts de leurs feuilles parées, les séjours fréquentés, les chemins blanchissants. J'aime à voir de beauté la branche déchargée, à fouler le feuillage étendu par l'effort d'automne, sans espoir leur couleur orangée, me donne pour plaisir l'image de la mort. Sur la palette du poète reviennent sans cesse le rouge et le noir, couleur de sang, de mort, couleur dominante de cette époque cruelle. Plus les rouges destins arrachent loin du cœur mon estomac pillé, j'épanche mes entrailles par le chemin qui est marqué de ma douleur. La beauté de Diane ainsi que des tenailles tirent l'un d'un côté, l'autre suit le malheur. D'Aubigné a repris les armes. Transpercé de coups d'épée, il ne pense qu'à revoir Diane avant de mourir. Épuisé, sanglant, il parcourt 20 lieues d'une traite à cheval et s'écroule dans ses bras. Il sera sauvé, mais Diane reste insensible. D'ailleurs, elle est catholique, et son père signifie son congé à ce huguenot décidément trop compromettant. À Paris, d'Aubigné sera l'écuyer de Henri de Navarre, qui vient d'épouser Marguerite, sœur du roi, et qui est pratiquement prisonnier de sa belle famille. Il approche la reine-mère Catherine de Médicis, et le futur Henri III, qu'il peindra si férocement dans les tragiques. Son visage de blanc et de rouge empâté, son chef tout empoudré, nous montrèrent ridé en la place d'un roi, une putain fardée, si qu'au premier abord, chacun était en peine s'il voyait un roi femme ou bien un homme reine. Dans cette cour dépravée, d'Aubigné, comme tout le monde, se laisse aller à quelques faiblesses, mais lui, du moins, préfère l'amour à la Gauloise, et le spectacle de ce petit peuple d'invertis sur lequel règne le futur roi lui inspirera ses vers satiriques les plus crus et les plus véhéments. Sa passion religieuse et sa profonde intransigeance lui dictent bientôt sa ligne de conduite. Fuyez, Lot de Sodome et Gomorre brûlante! N'ensevelissez point vos âmes innocentes avec ces réprouvés! D'Aubigné fuit avec Henri de Navarre, son maître. C'est lui qui a tramé le complot. C'est lui qui redonne au parti protestant un chef, et quel chef! Pendant 20 ans, il sera aux côtés du futur Henri IV, participant à tous les combats. ...1577, bataille de Casteljaloux. Gravement blessé, resté plusieurs heures sans connaissance, d'Aubigné prend conscience à son réveil de sa mission. Il doit exprimer ce qui est en lui, se battre avec la plume autant qu'avec l'épée. Je n'écris plus les feux d'un amour inconnu, mais par l'affliction plus sage devenue, j'entreprends bien plus haut, car j'apprends à ma plume un autre feu auquel la France se consume. Le luth que j'accordais avec mes chansonnettes est or étouffé de l'éclat des trompettes. Croyant mourir et jugeant son dessein plus important que sa vie même, d'Aubigné dicte les premières clauses des tragiques, non loin du champ de bataille. Ô France désolée, ô terre sanguinaire, non pas terre mais cendre, ô mère, si c'est mère que trahir ses enfants aux douceurs de son sein, et quand on les meurtrit les serrer de sa main, la terre n'aime pas le sang ni les ordures, il ne sort des tyrans et de leurs mains impures qu'ordures ni que sang. Les aimés laboureurs ouvragent son beau sein de si belle couleur, font courir les ruisseaux de dans les vertes prés, par les sauvages fleurs en émail diaprées. Là, de 1000 maisons, on ne trouva que feu, que charogne, que morts aux visages affreux. Ils vont, souffrant la faim, qu'ils portent doucement auprès du désespoir et infernal tourment qu'ils sentirent jadis. Quand leur maison remplie de démons incarnés, sépulcre de leur vie, leur servait de cachot, ou pendus par les doigts
à des cordons tranchants, ou attachés au bois et couchés dans le feu ou de graisse flambante, les cornues tenaillées, ou les plaintes pressantes de leurs enfants pendus par les pieds, arrachés du sein qu'ils empoignaient, des tétins asséchés. Nouvelle trêve. Daubigny a survécu. Dans le calme du Val-de-Loire, il continue à travailler à son œuvre. Une rose d'automne est plus qu'une autre exquise. Vous avez éjoui l'automne de l'Église. Il veut rendre hommage à ces hommes, ces martyrs huguenots, qui sont dignes de ceux de l'Église primitive, du printemps et de l'été de l'Église. Le poète invoque alors la vengeance de Dieu, puis, se faisant visionnaire, son triomphe final. C'est fait. Dieu vient régner. De toute prophétie se voit la période à ce point accomplie. La terre ouvre son sein, du ventre des tombeaux naissent désenterrés les visages nouveaux. Du pré, du bois, du champ, presque de toute place, sortent les corps nouveaux et les nouvelles faces. Quant à Henri IV, Daubigny le trouve trop tiède à son goût, trop diplomate. Lorsqu'il accepte l'édit de Poitiers peu favorable aux Huguenots, Daubigny s'indigne. Sire, votre mémoire vous reprochera 12 ans de mon service, 12 plaies de mon estomac. Pourtant, il sera à Ivry au siège de Rouen, au siège de Paris, auprès de son maître devenu roi de France à la mort d'Henri III. Mais un roi qui allait devoir conquérir son royaume au fil de l'épée. Lorsque Henri IV, conseillé par Sully, abjure par sagesse politique et pour arrêter l'effusion de sang, Daubigny, l'incorruptible, rompt définitivement avec son vieil ami. Lors de la publication de l'édit de Nantes, il proclamera qu'on ne saurait plus prendre aucune confiance en un prince qui avait abjuré. Daubigny se retire de longues années à Maizé en Poitou. Il quitte l'épée mais ne renonce pas au combat. Il travaille au tragique, à l'histoire universelle, à la confession du sieur de Sancy, au baron de Fénestre. En 1610, lorsqu'on apprend à Daubigny l'effroyable nouvelle de la mort du roi, frappé en plein cœur par Ravaillac, il ne s'étonne pas. Quelques années plus tôt, en 1595, Henri IV avait été blessé à la bouche par Châtel. Daubigny y avait vu un avertissement de Dieu. Sire, vous n'avez encore renoncé Dieu que des lèvres. Il s'est contenté de les percer. Mais quand vous le renoncerez du cœur, il vous percera le cœur. Louis XIII est roi de France. Dans sa retraite de Maizé, dont il a fait une véritable forteresse, Daubigny s'est entouré d'hommes d'armes. On le surnomme le bouc du désert, et c'est de ce nom qu'il signera les tragiques, qui ne furent publiés qu'en 1616. Œuvre pathétique, violente, visionnaire. Œuvre isolée et solitaire dans la littérature française, à une époque où va s'imposer avec Malherbe un nouvel idéal de mesure et de bon goût. À 62 ans, Daubigny n'est pas résigné. À la première occasion, il reprend les armes. Mais cette fois, il doit s'enfuir à Genève, où il finira sa vie non sans s'être remarié, à l'âge de 71 ans. Il aura la tristesse d'apprendre la capitulation de La Rochelle, fin de la dernière résistance protestante en France. Mes sens n'ont plus de sens. L'esprit de moi s'envole. Le cœur ravi se tait. Ma bouche est sans parole. Tout meurt. L'âme s'enfuit et reprenant son lieu, extatique, se pâme ou giron de son Dieu.